Salut les copains, on vient de se lever, il va bientôt être 7h, on a déjà une tempête de ciel bleu et je pense que c'est le moment de faire un petit point sur le road trip qu'on a commencé mercredi. Alors on était parti donc initialement pour 3 jours, on avait loué une voiture 3 jours pour visiter les points plutôt à l'est sur l'île de Bali. On se réveille donc au matin du sixième jour. On n'a pas rendu la voiture, on n'est plus à Bali. Je me retrouve avec ceci, qui est ma carte d'embarquement, parce que oui, on va prendre le bateau, on quitte l'île de Bali pour rejoindre l'île de Nusa Penida. Je pense que ça va être sympa. Souquez les artébuses! Minutes de route, on est arrivé de l'autre côté. J'ai jamais été aussi vite en bateau de ma vie, jamais. Coucou Sophie. Comment ça va? Alors ce road trip de 3 jours. Là, je pense que ça va être super bien. Premier spot à Nusa Penida. On vient d'arriver à Gamet Bay où on vient de rencontrer un petit monsieur qui nous a proposé pour à peine 2 euros, on n'a même pas cherché à négocier, des masses de snorkeling. Et voilà où on se trouve. Alors je pense qu'au cours de ce voyage, on aura battu des records d'improvisation, puisque là on est toujours sur Nusa Penida et on va reprendre un bateau, puisque on s'est simplement arrêté boire un verre et puis on nous a proposé d'aller voir les Raymantas. Alors malheureusement, on voyage léger parce qu'on est juste en scooter, donc j'ai pas pu prendre de quoi filmer sous l'eau, mais je vous raconterai, c'est promis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va snorkeler, on va essayer de voir des Raymantas. Alors, bilan de notre expédition pour aller voir les Raymantas. Au début, je vous avoue qu'on était un peu sceptique. On s'est dit, ouais, ça pue la trappe touriste, la trappe couillon. On s'est dit, en même temps, s'il y a moyen de voir des Raymantas, ça ferait quand même chier de pas aller voir. Eh ben, on a vu une Raymanta. Moi, perso, j'en avais jamais vu. On m'a dit, regarde dans le fond, trouve une Raymanta. Donc, moi, je sais que c'est gros, je cherche un truc gros, mais pas si gros. On a vu des Raymantas. Les Raymantas, donc à Manta Point, ils font environ 5 à 6 mètres. C'est presque la longueur d'Achille. C'est d'une grâce, c'est génial à voir. Franchement, c'était génial à voir. Donc, si vous y êtes, si vous avez peur, évidemment, ils peuvent jamais vous garantir que vous en verrez. Mais en tout cas,
Il y a possibilité d'en voir, la preuve c'est qu'on les a vus, et franchement, c'est sans regret. Dernier réveil sur l'île de Nusa Penida. Cette nuit, on a dormi chez Poutou, qui, en plus d'avoir un nom génial et rigolo, a été un super hôte avec nous. On a super bien dormi, la literie confortable, les chambres top, piscine, petit déj inclus, tout ça pour 12 balles. Donc on n'est pas sponsorisé, mais franchement, bien. Hello, good afternoon everybody. My name is Putu Swandika. I'm from Nusa Penida. Now I meet some nice people from Belgium, Max and Philip. Now we are in Agasta Villa in Nusa Penida. I am the host and I hope they enjoy stay in my house. We do. Yes. Thank you. Yeah, bye. Bon, nous on fait un poutou à poutou et puis on y va. Alors on est à un point qui s'appelle Angel Billabong. Il s'agit en fait d'une piscine naturelle qui est dans la roche et qui se remplit à marée haute et dans laquelle il est possible d'aller nager. Évidemment, le conseil c'est d'aller se baigner à marée basse. Et là c'est marée haute et vous allez très très vite comprendre pourquoi c'est déconseillé de se baigner maintenant. Alors à 5 minutes à pied de Angel Billabong, on trouve la plage de Broken Beach, qui est en fait une plage derrière une arche donc dans laquelle s'engouffrent des énormes vagues. C'est super impressionnant à voir. Et l'autre truc qui impressionne, c'est que il est 8h30, 9h du matin, le soleil est brûlant, on se consume, je sue comme un docker, j'ai des gouttes comme des croquettes. La journée va être compliquée, je pense, mais bon, on va pas se plaindre quand même. Mais il n'y a pas un poil qui n'a pas ce goutte. Alors on se trouve à ce qu'on peut considérer comme la carte postale de Nusa Penida, donc Klinking Beach. On est venu voir le coucher de soleil, je vous avoue que la vue est tellement incroyable que c'est pas le coucher de soleil du tout qu'on regarde, c'est juste ça. Ça, je vous promets que j'ai la haine de ne pas être venu avec le drone parce que je crois que les images auraient été fantastiques. On vous donnera pas non plus d'images d'en bas parce qu'on a discuté un petit peu avec les locaux et visiblement c'est quand même là déjà on est descendu plus ou moins, je veux dire un peu moins de la moitié et c'est déjà périlleux de remonter, encore pire de descendre en fait. On nous l'a déconseillé, donc la vue est incroyable, ça donne envie vraiment. Mais il y a régulièrement des morts ici, soit dans la descente, soit des cons qui prennent des selfies trop près du bord, des vagues qui entraînent les gens, parce que ça a l'air très joli d'ici, mais voilà, finalement c'est dangereux.
Madro, c'est pas mal quand même. On vient de se faire une descente en scooter assez sportive, on va dire, à travers la jungle, avec pas mal de dénivelé, pour se retrouver maintenant à Tembeling Beach and Water. Donc là, on est vraiment au pied de la falaise. Vous voyez derrière moi, il y a des gens qui viennent jusqu'ici avec des bidons pour chercher de l'eau sacrée. Puisque juste en face de moi, on arrive à un temple. Arrivé en bas. Alors là, c'est sans appel. C'est mon putain de coup de cœur à Nusa Penida. C'est un endroit qui est, je sais pas, j'arrête pas de vous dire que tout est incroyable. Alors du coup, je vais rien dire parce que putain, c'est fou. Je vous fais le tour. Là, on a la jungle. Là, piscine naturelle, petite balançoire, des falaises, des rochers plantés dans la mer, des vagues incroyables, une couleur turquoise, la petite plage. Si vous trouvez un mot, dites-le moi, mais moi je trouve pas de superlatif. De sortir de notre visite du temple Goagiriputri. C'est pas très grand comme entrée. On est entré par un trou de, je sais pas combien tu dirais, 60 cm. 60 cm. Et puis là, ben, on va voir. Hello. 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 Oh. C'est ouf parce que c'est gigantesque. C'est immense. On s'attendait pas à si grand. C'est fou. C'est juste impressionnant parce que ça fait, je sais pas, 15 mètres de haut. Ça doit faire, je sais pas, la longueur de 3 terrains de foot. C'est fou, juste fou. Par contre, il fait ultra humide. Enfin, comme d'hab, quoi, il fait toujours chaud. Yeah.
où est la femme de Charlie? Alors ça y est, c'est la fin. On est à l'aéroport de Denpasar. On a eu quelques petites surprises. Bon, la première, pas méchante, c'est que c'est la première fois qu'on nous dit qu'on ne veut pas prendre de briquet dans notre sac. On crève la clope, on se dit qu'on va fumer une à Singapour. Eh ben, c'est loupé. Et la deuxième surprise qui est beaucoup moins drôle, c'est qu'Air France nous avait annoncé un bagage à 55 euros par personne. Et finalement, on en a pour 150 dollars par personne. On est ravis. Bon, on va pas se lamenter, parce que la prochaine étape, c'est de s'arrêter à Singapour. On a une escale d'environ 7 heures. On sait pas encore exactement ce qu'on va y faire. On sait pas si on va faire la visite dans la ville. On verra si le temps le permet. Si pas, au pire, on fera la visite de l'aéroport de Changi, qui est régulièrement élu le meilleur aéroport du monde. Apparemment, il y a plein de choses à voir. On vous montrera ça. Bon, alors je vous fais un petit point sur notre escale à Singapour. Vous vous doutez bien à ma tête que ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Donc ce midi, on a pris le vol depuis Bali pour arriver à Singapour où on avait prévu une escale de 7 heures, ce qui nous permettait de faire une petite visite de la ville avant de reprendre notre avion vers Paris. Alors on avait hésité entre visiter la ville et visiter l'aéroport puisque Changi est connu pour être le meilleur aéroport du monde et on avait évidemment une préférence pour le centre-ville de Singapour qu'on voulait aller visiter. Une fois ici, il s'avère que le timing était quand même un petit peu short avec uniquement 7 heures d'escale pour aller jusque le centre-ville et donc on s'est dit qu'on allait visiter l'aéroport. Il semblait y avoir énormément de choses à faire. Bon. Et là, première impression hyper positive. Franchement, c'est ultra impressionnant. On est allé visiter le Vortex, qui est une cascade intérieure, la plus grande cascade intérieure du monde. Donc une chute d'eau de 40 mètres. Un espace qui ressemble à une jungle, à une forêt en intérieur. Enfin, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un aéroport. Bref, ça s'annonce plutôt pas mal. Vous avez l'impression que je suis en ville ou dans la jungle ou... Non, on est à l'aéroport. L'aéroport de Changi propose aussi tout un tas d'activités qui ont l'air géniales. Il y a des piscines, il y a un peu tout. Sauf que c'est au moment où ces activités-là vous intéressent que vous vous rappelez que vous êtes à Singapour. Et donc, passer une passerelle au-dessus de la cascade d'eau, 8 dollars. Aller à la piscine, 17 dollars. Aller dans le Canopy Park, qui a l'air pas mal, hein, 30 dollars. Et puis ce qui nous a achevé, c'est la bière à 16 dollars. Bref, un peu déçu par rapport à ce qu'on attendait, mais c'est un petit peu après que l'escale a vraiment mal tourné. On a notre vol à 22h, donc à 20h on passe l'immigration avec notre carte d'embarquement. Et c'est à ce moment-là que un des employés de l'aéroport nous faire remarquer que notre billet est au 31 mai. On est le 30 mai. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est complètement con. En fait, il y a quelques mois, nos vols ont été annulés.
par Air France pour raison Covid, et donc ils ont été modifiés. Et donc quand Air France nous a dit qu'ils avançaient notre vol de un jour, pour nous il semblait logique qu'ils avançaient notre vol Bali-Singapour et Singapour-Paris. Mais non, 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 ils ont juste avancé le premier vol, le deuxième ils n'ont pas bougé. Donc voilà, le côté frustrant du truc, c'est de se dire qu'on n'a pas pu aller visiter le centre de Singapour parce qu'on n'avait pas assez de temps. Alors qu'en fait, on avait 31 heures. Et puis les prix des nuitées à Singapour, ça colle pas vraiment à notre budget, c'était pas trop prévu. Alors, on se retrouve au bureau de Air France. À qui on a expliqué notre cas, et on va croiser les doigts parce que on a peut-être une solution. On va devoir patienter pendant un peu plus de 2 heures pour savoir si le prochain vol qui est pour le moment plein, si on peut embarquer, s'il y a des désistements, des gens qui viennent pas, et donc en fait on s'assied, on attend et on croise les doigts. Oui, alors je vous vois venir aussi, ceux qui vont nous dire « Oui, mais vous êtes complètement con, vous n'êtes pas rendu compte que le trajet durait 2 jours et demi. » Oui, c'est vrai, on est complètement con. Mais quand même, à notre décharge, quand on a fait la route dans un sens avec le décalage horaire, on est parti un jour, on est arrivé 2 jours après. Là, on s'est dit « Bon, décalage horaire, une escale de plusieurs heures à Singapour, on n'a pas trop calculé. » Donc, au final, ouais, on est complètement con. Alors, on n'a pas dû attendre 23 heures finalement, on a reçu la bonne nouvelle, c'est qu'on peut embarquer. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'on va voler sur un vol KLM plutôt qu'Air France. Bon, un peu moins confortable, mais c'est pas trop trop grave. C'est pas non plus un vol direct, donc plutôt que de se retrouver à Paris, on va devoir passer par Amsterdam, où on aura encore une escale, on devra changer d'avion pour arriver à Paris. De Paris, évidemment, ben, nos billets de TGV sont pas bons, donc on va rechanger les billets de TGV pour rentrer à Lille, et puis ben... j'ose pas dire qu'on sera à la maison. Ah oui, petit détail. On n'est pas sûr que les bagages seront dans notre avion. Oui, parce qu'ils ont changé nos billets. Mais normalement, on nous a dit, si tout va bien, ils seront là.